Salut à toutes et à tous, Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les championnats du monde de biathlon, la première saison. On est en feu, on a terminé hier, et oui, on peut le dire, quatrième du sprint et troisième de la poursuite du côté de Tiumen en Russie. C'était la troisième étape de l'IBU Cup. On va aujourd'hui se lancer donc dans le championnat du monde. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce qu'on va marquer des points pour le championnat de l'IBU Cup ou pas? Normalement, oui, mais on va découvrir ça ensemble. Si ce n'est pas le cas, on prendra un petit peu de temps pour s'entraîner et passer des courses. Mais bon, je pense qu'on va être obligé de les faire et que ça va compter pour le classement. Donc au programme aujourd'hui, une bonne grosse dose de biathlon. On va commencer par un sprint. Poursuite, si possible, individuel, mass start, bref, du très très solide, du très très lourd, une belle vidéo qui nous attend à Salt Lake City. Comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner, ça me soutient énormément, à mettre un pouce bleu si c'est déjà fait, et si jamais aussi vous voulez donner de la force à Kuhn et à Poney, ça se passe en description, ils font exactement la même carrière que moi, ils sont partis avec le même athlète, on se bat avec les mêmes armes. Après, on verra comment on utilisera notre argent. Ça, ce sera différent l'un de l'autre. En fonction aussi de nos résultats, on ne gagnera pas les mêmes sommes. Et puis, vous le savez, mais on se retrouvera une fois par semaine aussi pour se faire un master. Tous les trois, on s'affrontera avec nos personnages évolués, nos skis aussi, pour voir qui est le plus fort, tout simplement. Qui a la plus grosse paire de skis. Bien sûr, attention, n'ayez pas l'esprit mal placé. Allez, on va partir en tout cas du côté de Salt Lake. Je suis bien en altab. Oui, c'est good. On va partir. Le sprint, plus 5, plus 1 et pas de précipitation. Attendez. Plus 5, plus 1. Oh non, mais plus 1, ça marche pas le no snow là. Tu me diras si on va partir dans le troisième groupe. Troisième groupe en espérant qu'il fasse un peu plus froid. C'est parti. On rappelle que pour participer à la poursuite, il faut terminer parmi les 21 premiers du sprint. Et il fait 1 degré, ça veut dire qu'on a du bonus sur les skis là pour l'instant. Oh là là, alors on n'a pas 14%, on a... pourquoi j'ai parlé aussi? Pourquoi j'ai parlé? Véritable coup de clim. Punaise, bah pas la clim, il faut la mettre là, il fait trop chaud. On a plus de bonus. Plus de bonus, mais c'est pas grave. On est parti, Salt Lake City. Ouais, Salt Lake City avec sa piste en forme de bombe. Bien sûr, ce jeu est développé par un russe, je vous laisserai imaginer bien sûr tout ça. Mais on est parti, 3 tours, on va essayer d'y aller à balle. On va essayer d'y aller à fond, alors je ne connais pas la piste. Hop, on y va. Ah, Salt Lake, ça a l'air d'être un plaisir. Hein, la bonne... Oh oui, il y a une grosse descente là. Oh, la grosse descente. Oh, par contre, faut pas prendre un filet. Hein. Oh, la vitesse. Oh, la vitesse de fou. Oh, la vitesse de dingue. Par contre, on a 3 dixièmes de retard. Ça va, en vrai, hein, pour l'instant. On va reprendre. Oh, mais c'est une piste qui est extrêmement rapide, cette piste. Attends, faut faire gaffe, parce que là, il faut que je fasse gaffe à mes BPM. Ah, s'il y a un mur juste avant le pas de tir. Par contre, ça, c'est pas le bon... 187 de pulse, 186, 185, 183. Je vais remettre un petit coup juste de bâton. 180, elle est loin encore, non? Ouais, je me remets un petit coup pour rester en haut du panier. 177. On remet un petit coup de bâton pour bloquer à 177. C'est bon, on est bien. Allez, c'est deux tirs. Il faut être, bon. Faut être bon, faut être très très bon. Premier tir couché, c'est le plus dur. Allez, se mettre dans le rythme de ces championnats du monde. Allez, voilà, c'est blanchi. C'est blanchi, on a mis du temps, hein. Je sais que je mets beaucoup de temps, je le sais. Mais je préfère prendre mon temps et ne pas faire d'erreur que partir et envoyer des billes n'importe où. On est 10, quoi? 17ème sur 35 alors qu'on a fait un super temps. Oh là là, l'enfer. 1 seconde 9, tout le monde se tient dans un mouchoir de poche, comme on dit dans le jargon. Oh là 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 là. Allez, on y va, on y va, on va utiliser un petit peu de sprint ici. Ah, il faut y aller, hein. Faut y aller fort même. Je vais réutiliser un petit peu de sprint. On est 7ème. Oh là là, l'enfer. Alors, c'est pas une piste qui est difficile, on va se régaler. Hein. Les championnats du monde ici, ça va être très très cool. C'est vrai que j'aurais dû regarder le nombre de points qu'on avait avant. Avant de partir pour cette première épreuve, parce qu'autant autant on ne marquera pas de points.
Et si on marque pas de points, on aurait pu s'entraîner. Allez, on y va. 194 de pulse. Ouais, on va ne plus accélérer maintenant. Et on est à 2 secondes 4, sachant qu'il y en a qui ont fait pas mal de fautes hein, devant. Alors, Christian Angot, Philippe Horn n'ont pas fait d'erreur, mais bon. On va se concentrer sur nous. Le tir debout. Et ensuite, déjà le dernier tour. Hein. C'est une piste très rapide. Allez. S'appliquer. Ah, il y a un petit peu plus de vent. Hein. Vent de gauche, 2 secondes 5. 2 secondes. Ah, attention. Attention. Oh là là. Allez. Allez, c'est blanchi. Encore une fois, on n'a pas été rapide, mais au moins, on termine sans faute. Et on sait qu'en terminant sans faute dans cette deuxième division, on peut faire un top 10. On peut faire un top 10, on est même top 5 pour l'instant. Top 5 top 5. Mais après, il y a des gens qui vont vite hein, sur les skis. Oh, mais c'est bien fait. C'est très, très cool, ça, d'avoir fait un top 5. Allez, on va y aller. On va utiliser tout le sprint ici qui nous reste dans cette montée. Hop là, le petit faux plat. Allez, allez, allez. Absolument tout donner. Le coup de bâton jusqu'au bout. En quatrième, 1 seconde 3. 1 seconde 3 de retard. Christian Angot, Philippe Horn. C'est dommage qu'on n'ait pas un léger boost sur les skis. On aurait pu grappiller quelques dixièmes. Hein. Forcément. Allez, on va passer la bosse là encore. Se met en position toucheuse. Et il va y avoir encore cette montée. J'aurais peut-être dû utiliser le sprint au dernier moment. Allez, allez. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il m'en reste un petit peu pour passer la bosse. Et on va arriver sur le pas de sprint. La ligne d'arrivée. Ah, on ne sera pas premier, ça c'est sûr. Et oh là là, oh là 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 là, le retard. Oh le retard. Troisième pour l'instant. Avec 3 secondes 9. On est devant Christian Angot et Tom Sheen. C'est quand même très bien. Alors on va probablement reculer. La prologue. La troisième place. $80 pour cette troisième place. Et il y avait un petit peu de bonus sur la fin. On est vraiment passé dans le moment où il n'y avait rien. Est-ce qu'on a gagné des points? 381. On n'a pas gagné de points là. Attendez, on n'a pas gagné de points. Hop, 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 hop. On avait toujours ses points, ça n'a pas compté. Est-ce qu'on ferait pas l'impasse sur la poursuite? Ah, je me demande, hein, faire l'impasse sur la poursuite. Honnêtement, vu que ça rapporte pas de points pour l'IBU Cup, ouais, non. On est d'accord, hein, ça n'a pas rapporté de points. Hein. Ouais, résulte. Ouais, ça nous a rapporté une médaille. Ouais, ça nous a rapporté quand même $80. C'est-à-dire qu'à mon avis, l'IBU, ça rapporte pas beaucoup d'argent, mais là, une victoire nous rapporte beaucoup d'argent en poursuite. Est-ce que on a quoi? On a une poursuite. L'individuel, la Mastart, quoi qu'il, on va la faire. La poursuite, on est que 21, on pourrait gagner pas mal d'oseille. Je pense que je vais faire un training. Mais est-ce que ça nous sauce toute la course ou est-ce que ça nous saute qu'une course? C'est ça la question. Parce que là, imaginons, j'augmente la force. On va avoir 6 points à répartir sur la force. Ça pourrait être sympa. Est-ce que on va tester, hein. De toute façon, on est là pour tester. Ouais, c'est pas mal en vérité. Ça sera complété à la place de la prochaine course. De la prochaine course seulement. J'espère. On a 6 points à mettre. On peut mettre 6 points. On peut mettre 4 points directement en force. On va mettre 2 points. Max speed. Ah, mais ouais, c'est que là du coup. Je vais mettre 3 points et 3 points dans ce cas-là. Speed strength, on va mettre 4 points ici et là je vais mettre 2 points et on sera pas mal. On va mettre next. Ok, là on fait l'individuel. Ok, c'est pas mal. Donc là on pourrait sauter l'individuel, mais ça fait quand même pas mal d'oseille. 80. Est-ce qu'on fait l'individuel? On va faire l'individuel, on va pas faire la mass start, je pense. Hein. On va voir, mais là effectivement on est un petit peu mieux. Hein. On est toujours à 76 de général. Il y a quoi comme training qu'on pourrait prendre? L'endurance générale, ça pourrait être très sympa de prendre de l'endurance. 6 hein. Points en endurance. Ouais, on verra, on va faire ça. On va faire la race et je pense que je vais passer...
Ouais, on va y aller. On va y aller, on va partir dans le 3. Alors, j'ai pas vu les températures. Plus 5, plus 1 avec de la neige. Ça, c'est très bon pour nous. Plus 5, plus 1 avec de la neige. Ouais, il faudrait que ce soit en négatif, donc on va partir en fin. En espérant que ça se rafraîchisse avec la neige. Mais logiquement, la neige, ça réchauffe plutôt l'ambiance que ça ne refroidit. On va voir, ouais, plus 5 maintenant. Il faut étudier plus 6, la météo, on étudie. Hein. 5, 4. 4, 5, 4, 5. Alors l'individuel, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? On va faire 5 tours. On va faire 5 tours. Chaque cible manquée, 20 secondes de pénalité sur le temps final. Donc là, ce qu'il faut, c'est absolument ne pas faire d'erreur. Voilà, c'est ne pas faire d'erreur. C'est là que ça va compter. Donc là, par contre, 5 tours à nous de, voilà, de prendre notre temps. De ne pas pousser sur les bâtons directement. Et d'essayer dans les premiers tours d'être d'être bien. On va perdre forcément pas mal de temps hein, déjà ici. On a perdu 1 seconde 3. On est dans les pires temps. En même temps, on est dans les pires temps au niveau du ski. Hein. Alors, il faudrait prendre peut-être un peu d'endurance. On a pris de la force. Très bien d'aller chercher de l'endu. Il fait 5 degrés, donc on n'a pas le bonus. Et là encore, on va essayer de pousser un petit peu quand même. On peut pas non plus être trop derrière. Et donc, on va enchaîner là. Faudra que les tirs ils soient précis. Hein. Faudra que nos tirs soient très très bons. On va mettre un petit coup de bâton. Voilà, 188 de pulse, pas plus. Et derrière, on a tout cette ligne droite pour récupérer et descendre le rythme cardiaque. Ouais, on va faire, je pense qu'on va faire l'individuel. Et derrière, on va saucer la mass start. Hein. S'il n'y a pas de points, honnêtement, autant s'entraîner maintenant et prendre des points. Allez, c'est parti, le premier tir. Aïe, 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 on prend 20 secondes de pénalité dans la musette. Ah, dur. Ah, très dur. Hein. Et devant, on voit qu'il y en a qui n'ont pas fait d'erreur. Et là, on est déjà 19e. Allez, c'est pas grave. Il faut se dire, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas faire d'erreur sur les prochains tirs. Et être très bon. Aïe, 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 aïe. Ouais, parce qu'on a pas mal d'oseille. Et là, si on a vu, la troisième place, c'est 80$. On pourrait beaucoup, beaucoup gagner. Allez, on est dans le deuxième tour. On va se mettre en touche-ouse. On est 19e. Après, il y en a pas mal qui ont fait des erreurs. Hein. C'est très rare ceux qui font aucune faute en individuel. Emilien Claude Strolia, pour l'instant, sont à zéro sur leurs deux premiers shoots. Mais ils vont peut-être faire des erreurs sur le prochain. Ah, pour l'instant, on est 20e. Hein. 20e. Allez, on va récupérer la dernière bosse et on va enchaîner avec le deuxième shoot. Hop là, on va remettre un petit coup. 188 de pulse, très bien. Allez, pas faire d'erreur, se concentrer. On voit Pidrou, il a fait deux erreurs. Ah, pour l'instant, Strolia, Tom Shin, Emilien Claude sont les seuls à ne pas avoir fait d'erreur. Allez, le tir couché, le tir debout, pardon, le tir debout. Non, mais c'est un enfer! Mais c'est un enfer! Mais comment ça bouge au dernier moment? Mais comment ça? Comment ça? Oh là 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 là! Une horreur! Oh, une horreur! Ah bah là, on est dans les bas-fonds. Hein. Dans les bas-fonds, c'est terrible. Putain. Avec 3 erreurs, on va pas se classer bien du tout là. Ah, je suis. Terrible! Terrible, on a fait cette épreuve là, on aurait pu s'entraîner à la place. On aurait pu totalement s'entraîner. Aïe 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 aïe. Allez, on va pousser. Ouais, deux erreurs. Il y en a qui ont fait trois erreurs devant. Ouais, on peut encore se classer parmi les. Pour moi, parmi les top 10, on peut encore faire top 10. Je suis peut-être un utopiste, mais je me dis qu'on peut peut-être faire top 10. J'ai envie d'y croire. On est à la mi-course. Allez, on va le voilà, on le coin sur le côté. On sait pas qui c'est, mais on sait jamais. On va remettre un petit coup. On est à 195 de pulse. On va pas repousser là.
Maintenant, on se repose. Allez, tir couché. Ah, je suis dégoûté de faire ces deux erreurs. On est vraiment pas loin en plus sur les tirs. Je tire un petit peu trop tôt. Et on voit, Félix Neidner a fait deux erreurs. Schaumer a fait une erreur. Emilien Claude en a fait une. Ouais, il y en a pas mal qui ont fait des erreurs. Allez, on peut encore le faire. On se couche. Voilà, c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début. Prendre mon temps. Même si on passe dans la cible, si on ne le sent pas, on ne tire pas. On attend de revenir. L'apprentissage. L'apprentissage. On est 19e. On est 19e. Allez, ne pas faire d'erreur. 3 erreurs, ouais, 13 erreurs, c'est quand même lourd, hein, 3 erreurs. On va pas se cacher, 3 erreurs, c'est quand même assez, c'est assez huge. Là, c'est huge. Allez, on va pousser sur les bâtons maintenant un petit peu. Il nous reste du sprint. On va envoyer. Hein. Alors, je sais pas où ils en sont, les autres. Mais souvent, on est meilleur sur les fins de course, donc pourquoi pas faire quelque chose de beau. Ouais, deux fautes pour Leitner. Emilien Claude a fait deux erreurs. Ouais, trois erreurs pour Komats qui est huitième. Hein. Allez, on va y aller là. On y va. On pousse. Ouais, c'est très bien ce qu'on est en train de faire. C'est très très bien ce qu'on est en train de faire. On pourra regretter forcément hein, à la fin de la course. Ces trois erreurs qui nous coûtent une minute. Hein. Voilà, hein, c'est 20 secondes par faute. Donc ça nous coûte la minute. Ah, ça fait mal. Hein. On aurait 19 secondes d'avance. Comment vouloir hein. On a pris mon temps. Quitte à tirer vraiment lentement. Hein. Et on essaie de baisser la pulsation. On est à 177, c'est nickel. On va prendre le pas de tir. Allez. Pas d'erreur. Et on remonte dans le classement. Très bien. C'est l'objectif. Ça bouge beaucoup. Allez. Ah mais mec, il a mis 15 ans à descendre. C'est fou ça. On m'a filé un coup de bâton par derrière. C'est pas possible. Allez, on y va sur le plat. On est 13e. 13e et il y a moyen d'accrocher le top 10 ou pas. Il y a 7 secondes à récupérer. Ça me paraît un peu compromis. Mais bon, on va voir. Allez, on va accélérer ici. Là, on envoie du braquet. Hein. Là, on envoie du brac. On envoie du bracousse. Allez. On remonte. On est 13e. Hein, toujours 44 secondes. On est à égalité. Ouais, on n'est pas si mal. Hein. Allez. Hop là, on va remonter. Et on repart. Est-ce que je fais la mastart pour essayer de prendre l'oseille? Question quand même qu'on se pose. Allez, au bout. Au bout. Hop là. Bien sûr qu'on va utiliser le sprint ici pour envoyer. Tant pis si on l'a plus sur la piste d'arrivée. Allez, on y va. Ah, il nous passe devant, on termine 12e pour l'instant, mais il y en a probablement qui vont terminer devant nous, 14e, 15e, 17e, oh là 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 là, 19e, 44 secondes, c'est dur parce que là honnêtement on doit faire mieux, hein. On doit faire beaucoup mieux, ma start, moins 16, moins 20, en plus on n'a pas le bonus, on va faire du training, hein. Je vais m'entraîner 6 points, le truc c'est que là, second souffle c'est 1000$, mais en vrai, on va prendre l'endurance et on va y aller, hein. L'endurance générale on va mettre 4 points et là on va mettre 2 points, et comme ça on sera bien, on est DNS mais c'est pas grave, resume. Comment ça là, je peux choper mais je peux pas m'entraîner à chaque fois. Hein. Ouais, no race today, ma start, la World Cup et on y est. Nous avons fini. Alors oui, on a passé un petit peu. C'est vrai qu'on a voilà, la poursuite n'a pas été faite, la ma start n'a pas été faite, mais par contre,
On a pris des points. On est à 77 de gêne. On a 80 en speed, 80 en endurance. Pour aller à Annecy, moins 6, moins 10 avec de la neige. Oh, c'est une très bonne nouvelle, ça, pour demain. On va pouvoir tranquillement, eh bien, avoir un bonus peut-être enfin sur nos skis. On verra demain. En tout cas, il y aura le sprint. Il faudra être absolument bon sprint, poursuite et ma start. Parce que oui, on a encore ces fameux, hein, on le redit, mais oui, c'est 89 points d'avance. Khalili, ça va être notre objectif de le mettre loin. Je vous donne rendez-vous demain. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, ça me soutient énormément, mettre un pouce bleu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve demain avec toujours ces belles aventures de biathlon. Merci à vous de suivre cette série. Je me régale, j'espère vous communiquer cette joie, ce stress et ces émotions. Régalez-vous, le jeu est aussi gratuit et en description. Bref, il n'y a qu'à kiffer, hein, voilà, avec ça. Et encore une fois, vous pouvez aller voir Kuhn et Poney, le résultat de aujourd'hui. Des bisous, à demain pour du biathlon.